Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une espèce de déclin et que les promesses qu'on fait le modèle ne le peut plus les tenir. C'est-à-dire, vous donnez du travail à tout le monde, ben c'est fini. Il y a une société dans la surabondance, donc qui est censée être sécurisée, mais en même temps, dans cette société sécurisée, quand on fait les statistiques de la consommation des anxiolytiques, ils sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'être qui n'est pas plus alimenté. La voix, oui, on fait des prodiges technologiques, mais dans une espèce d'ambiance générale qui ne nourrit plus l'intériorité. Moi, je ne critique pas les politiques individuellement, mais je pense que la politique n'est pas du tout en phase avec la réalité du monde d'aujourd'hui. En plus, vous avez c'est les problèmes écologiques qui sont maintenant de plus en plus éclatants. Et ça amène à dire, finalement, est-ce que nous avons besoin de la nature? La réponse est oui. Est-ce que la nature a besoin de nous? La réponse est non. On relègue, en quelque sorte, on détruit les fondements de la vie. Ce qui veut dire que ça aura des limites et que j'imagine que l'humanité rentrait dans un processus de son auto-éradication. Je ne pense pas que l'humanité soit intelligente. Parce que si elle l'était, on n'en serait pas là. Et je dis aux gens, si des extraterrestres avancés nous étudient, ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents. C'est impossible. Alors par contre, nous sommes pleins d'aptitudes technologiques, etc. Mais aptitudes technologiques, etc. ne signifie pas intelligence, forcément. Et je dirais qu'on a choisi une civilisation dans laquelle on a comme fondement et précepte time is money. Et à partir de ce credo, de ce précepte fondamental, on est rentré en productivité. Et au lieu de voir la planète comme une magnifique oasis, on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser, faire de l'argent, doper le produit national brut, doper la croissance, etc. etc. Mais on ne peut pas indéfiniment maintenir ce modèle-là puisque la planète elle-même est limitée. Moi, je pense que nous avons les politiques que nous méritons. Le suffrage universel nous permet de faire un choix. Le choix des individus à qui on remet notre destin et on remet les leviers, en quelque sorte, de notre histoire. Donc, il y a forcément une complicité. Moi, je ne suis pas toujours d'accord qu'on fustige les politiques, puisque si ça avait été une dictature, on pourrait dire, bah oui, voilà, on n'est pas rien. Mais c'est une démocratie, donc on a voté, donc il y a une responsabilité partagée. En fait, il ne faut pas s'illusionner, le politique, il est... Moi, je respecte les individus, je n'ai aucune critique, je ne suis pas dans leur cœur, je ne suis pas dans leur âme, je ne vois pas pourquoi je les jugerais, je ne sais pas. Mais en tout cas, le système, je désapprouve complètement. Et comment voulez-vous qu'un politique puisse prendre des décisions qui vont provoquer du chômage, qui vont provoquer, etc., etc. Les politiques, je pense qu'il y en a qui sont de très bonne volonté, qui veulent bien faire, mais comment bien faire dans un système où on croit tenir, mais en fait qui vous tient. Tant qu'on ne renoncera pas à cette idée simpliste que la vie, c'est de la croissance permanente, on n'aboutira à rien. Alors, quand on est dans cette croissance permanente, c'est-à-dire qu'on se condamne et n'est jamais satisfait. Et comme l'être humain est toujours manipulé, non pas à dire « mais tu as à manger, tu es bien vêtu, tu as un toit, ben, sois satisfait ». Ah non, il y a toujours quelque chose qui manque, et ne vous inquiétez pas, la publicité est toujours là pour manipuler les gens, pour créer du vide et du besoin, et pour créer du consentement. Donc toute cette manipulation subliminale, elle est extrêmement dangereuse, parce que l'homme est tellement fragile par le subliminal, c'est-à-dire les idées reçues, les mentales, le machin, il est fragile par cela. Et c'est par cela qu'on le conditionne, qu'on le manipule. Donc il y a nécessité maintenant de revoir de fond en comble quelque chose, un paradigme qui aboutirait à changer l'éducation des enfants. Arrêtons avec la compétitivité. Il faut apprendre aux enfants, bien sûr, à être sérieux dans leur boulot, mais à être aussi solidaires. Arrêtons de subordonner la femme au plan mondial.
plan mondial, la femme est subordonnée. C'est-à-dire que c'est, alors que le masculin et le féminin sont deux éléments qui sont sur les deux énergies créatrices, pourquoi est-ce que le féminin est subordonné au masculin? C'est complètement stupide. Voyons évidemment les axes et les forfaits que nous commettons à l'égard de la vie par toute cette artificialisation d'un système dans lequel on introduit, comme je l'ai dit, des poisons, des choses, des dysfonctionnements extrêmement graves. On ne peut pas empêcher l'ignorance, hein. L'ignorance elle est là. Sauf que nous ne sommes pas que des tchatcheurs, hein. Nous sommes dans des réalités extrêmement concrètes. Et moi je vous dis, l'agroécologie c'est une méthode très précise agronomique qui répond véritablement à nos, qui répond magnifiquement à nos nécessités, qui part du principe qu'il faut produire notre nourriture mais sans détruire et en augmentant même nos potentialités comme on l'a fait nutritive des sols. C'est une merveille, l'agroécologie. Donc, qu'est-ce que nous attendons pour rentrer dans des processus comme cela? Tout ce terrain était absolument dénudé, plat et désertique. Il n'y avait pas le moindre arbre, rien du tout. Donc on a planté bien sûr hein, des arbres, il y a des oliviers, des amandiers. La nature c'est un livre ouvert, hein. C'est un livre ouvert qui exprime énormément de choses, mais il faut que nous apprenions à interpréter les choses. Parce que de tout s'exprime, même ce poireau il s'exprime, tout s'exprime. Seulement est-ce que nous sommes capables nous de comprendre? Il faut apprendre à observer aussi, parce que sinon... Si on n'observe pas, on ne peut pas recevoir le message si on n'a pas en capacité de le décrypter et de le comprendre. Les religions, j'ai un reproche à faire aux religions, c'est qu'elles n'arrêtent pas toutes de dire que la création est œuvre de Dieu, mais elles devraient être les premiers écolos. Et ça devrait être surtout ne touchez pas à la création, n'abîmez pas la création, ne polluez pas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas et le pape devrait fulminer. Vous n'avez pas le droit d'offenser Dieu en salopant sa création. Je suis peut-être simpliste, mais pour moi ça me paraît tellement basique, si vous voulez. Et où sont les religions? Par rapport ne serait-ce qu'à cette sauvegarde spirituelle de ce qui émane du divin. Voilà, ce qui émane du divin. Ce qui émane du divin devrait être en quelque sorte spiritualisé et on devrait éviter de détruire, de polluer, etc. Donc on est loin du compte, quoi. Et le problème de l'être humain, c'est qu'il a tout séparé en se prenant pour la cerise sur le gâteau. Voilà. On dirait que la planète, elle a mis des milliards d'années pour l'être humain qui va arriver. Ben non, l'être humain, il est contingent. La planète n'en a pas eu besoin. Et s'il continue à faire ce qu'il fait, elle n'en aura pas besoin. Et même, elle sera peut-être satisfaite et contente parce que l'espèce humaine est quand même terrible avec la planète. Quand on voit toute cette beauté gâchée, tout cet épuisement des ressources, toutes ces choses-là, mais c'est inintelligent et inhumain. C'est bête comme... On ne peut pas être plus bête, quoi, que de détruire ce à quoi nous devons vraiment la vie. Et alors, quand on dit détruire la nature, c'est un leurre. On ne détruira pas la planète. C'est impossible, parce que la planète, on a la vue tellement qu'il y a une énergie extrêmement puissante qui fera qu'on ne pourra pas la détruire. On peut faire même exploser toutes nos bombes atomiques actuellement. Ça demandera du temps, mais elle se régénérera. Et on a vu se régénérer, vraiment. Je l'ai vu, que, par exemple, dans des zones d'une extrême fragilité, comme les zones sahéliennes, il suffit de foutre la paix à la nature, elle se remet de tout. Et vous avez cette prodigalité de la nature aussi. Avec un grain de blé, c'est pas une métaphore, vous pouvez nourrir l'humanité. Un grain de blé, vous pouvez nourrir l'humanité. C'est une question de temps, c'est tout. Vous mettez un grain de blé dans le sol, il va vous donner 5 épis, il donnera même plus, hein, s'il...
Chaque épi a 40 à 50 graines. Vous replantez, vous voyez l'exponentielle qu'il y a, cette magie de l'exponentielle et de la puissance de la vie. Problème, c'est qu'on n'a pas compris tout ça et qu'on n'arrête pas d'handicaper en quelque sorte et même notre propre organisme. On est tellement déconnecté de l'intelligence que quand vous mettez du poison dans le sol, vous le retrouvez dans votre corps. Ce qui fait que il y a un ami qui disait, avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, on est véritablement dans notre propre pollution sans se rendre compte que polluer la vie, c'est se polluer. Parce que nous sommes intrinsèquement liés à ça. Voilà. Et si on n'a même pas compris ça, alors c'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Et c'est pour ça que la politique devrait se préoccuper de savoir comment maintenant redéployer sur l'espace rural. Et d'autant plus qu'il y a des gens, il n'y a même pas besoin de les inciter. Moi, je reçois des tas de demandes de gens qui voudraient s'installer. Et il faudrait, les politiques s'honoreraient maintenant de repenser l'équilibre rural-urbain et que au moins les personnes qui ont le désir d'aller vers le rural soient quand même soutenues. Parce que je vois pas trop quand il y aura un seuil de concentration qui va dépasser tous les équilibres, qu'est-ce que ça va produire? De la violence. Voilà. Produira de la violence et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'exutoire. Et s'il n'y a pas d'exutoire, il y aura de la violence. Parce que les gens ne pourront pas supporter l'insécurité permanente. Et après, il faut très peu pour que ça explose littéralement. Et ma révolte n'est pas violente. C'est une désapprobation profonde de ce qu'on a fait de la vie et de ce que l'être humain a fait de lui-même. Et cette violence que l'être humain exerce sur l'être humain, que le masculin exerce sur le féminin, est inadmissible. La bienveillance, la compassion, ça c'est des vertus extraordinaires de l'être humain. Il faut comprendre que je peux aller manifester contre les multinationales, etc., et rentrer chez moi et pourrir la vie de tous ceux qui m'entourent. C'est pas incompatible. Ce microcosme qui est le mien, que je peux, sur lequel je suis souverain sur ce microcosme. C'est là que je suis roi et c'est là que je peux décider. Mais c'est pas à travers la sphère globale. Et si j'instaure dans ma famille l'amour, la bienveillance avec mes voisins, puis ça prend de plus en plus, ça peut atteindre des dimensions énormes. Et aller proclamer simplement au sommet pour ne pas réaliser les choses à la base, ça n'a aucun sens. Et c'est exigeant parce qu'on dit, moi, mon credo, c'est que le monde ne peut pas changer sans changement humain. Mais il faut pas se défausser à dire, ah, les humains, les autres, ils sont. Non, moi, qu'est-ce que je fais réellement pour être en accord avec ce que je ressens profondément? Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour que ça change?